Salut la team, c'est Mr. Fighter. Donc là, c'est une petite vidéo vraiment exceptionnelle. C'est sur Medium, le jeu qui est déjà disponible dans le Game Pass pour ceux qui l'ont, que vous pouvez pré-télécharger. Il sort le 28 janvier sur Next Gen, que pour Xbox Series et PC. Je vais vous en parler parce que c'est un jeu que j'aime énormément. Donc c'est parti la team, maintenant c'est l'intro. Go. La team, juste pour vous dire, là en fait la vidéo, je vais un peu la découper dans le sens où à chaque fois qu'il y aura un truc d'intéressant ou quelque chose dont j'ai envie de vous parler, j'interviendrai. Donc je vous laisse continuer la suite. Bonne vidéo la team. Comme vous avez pu le voir là, il y a vraiment des bruits qui je trouve sont très bien faits par le producteur de Bloomberg, par le studio Bloomberg. Je trouve vraiment que les bruits sont vraiment bien faits, ça met vraiment en ambiance et on peut voir déjà qu'on peut interagir avec diverses choses comme là, des chaussures. Anyone? Thomas? You there? Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'histoire se déroule dans un manoir. C'est une dame qui aurait soi-disant perdu son enfant. Je ne peux pas vous assurer ça parce que, de ce que j'ai lu, certaines personnes ne savent pas encore, parce qu'on n'a pas encore joué au jeu, mais soi-disant, elle aurait perdu un enfant et elle a voulu en savoir plus en allant dans un manoir qui est un peu abandonné dans les montagnes. Donc là, elle est dans le manoir et apparemment, elle cherche quelqu'un. Et c'est vraiment étrange parce que personne ne lui répond, comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, il y a des bruits de fond qui vont arriver. Et également une ambiance avec les lumières, etc. qui peut nous faire penser à des jeux d'horreur comme moi par exemple à Outlast. Comme vous avez pu le voir dans des jeux, vraiment, l'ambiance est vraiment présente. Thomas? On a une vue du personnage, une vue vraiment à Tomb Raider. C'est vraiment intéressant d'avoir une vue comme ça. Ça nous change des jeux d'horreur à la vue FPS comme Outlast une nouvelle fois. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes! It's so busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore.
So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. I'll see if it works. Sadness. I wished I knew her real name. Shit! Okay, Marianne, just take a deep breath and... Comme vous venez de le voir, on peut vraiment passer facilement du monde Let réel go. Au mode au monde un peu des There. Esprits. Ouais, voilà, a fuse chercher box. Des esprits. Needs some energy là, to spark it dans up. Cette période, dans ce petit passage, c'est divisé en deux écrans. Vous savez, quand je ne sera pas tout le temps divisé en deux écrans, ça sera divisé en deux Gotta écrans que fast. Sur un tiers des passages. An out of body experience. Sera It's like taking a plunge into nothingness. La superposition du monde réel. Stay under for too long and it just. On peut voir, là on peut vraiment passer rapidement du monde, juste en touchant l'objet, elle est passée dans l'autre monde. On a pu voir une fille avec qui elle discutait. Et si vous voyez, elle se déplace toujours dans l'autre monde. Du coup, l'autre monde n'est pas fixe. On voit encore ce qui se passe dans l'autre monde, dans le monde réel. Même si c'est un jeu vidéo. Donc, ça, c'est vraiment une technologie qui a été poussée grâce au SSD. Il faut savoir que ce console est vraiment sur Series particulièrement. Il y a encore des modifications okay, qui sont en train d'être faites sur Series. Now get your ghostly là, ass back. Series, donc, power up vraiment, that sur Series, ça va vraiment être optimisé de fou. Et il faut savoir que, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, le Game Pass, pour ceux qui sont prêts à télécharger, qui ont le Game Pass et une Series X ou S. Voilà, après sur PC, vous pouvez jouer sur le SSD, mais il y a une config qui est mise à disposition par Bloomberg Studio pour ne pas avoir vraiment besoin du SSD pour jouer sur PC, même si c'est mieux d'avoir le SSD, pour avoir une meilleure qualité, etc. etc., etc. What the hell is this place? I. Oh shit. The cat! It stayed on the other side! I'm stuck here. Wait, I know you. You were that boy. Bernard, was it? He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing.
All these people, they weren't just killed. Their spirits were ripped apart, broken beyond repair. Maybe I can find the one Bernard's missing. I need to look around. Get off! Shit. Gotta get rid of them. A spirit well. I could use some of that energy. Burn, you little fucks. This was yours, wasn't it, Bernard? It's about time you got it back. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. Huh. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it, too. No. Donc là, après la courte scène où on était uniquement dans le monde des esprits, on a pu faire une petite énigme, on a résolu une énigme grâce à un masque. Il y a eu l'antagoniste principal du jeu qui est arrivé. Comme, c'est un peu un monstre, comme vous avez pu le voir. Un monstre qui est disponible, enfin, quand je parle de disponible, c'est-à-dire qu'on peut le voir en entier, sa véritable forme, dans le monde des esprits. Et comme vous avez pu le voir, comme vous êtes en train de le voir, dans le monde... réel, c'est un peu comme un fantôme que l'on voit, un fantôme vraiment très très grande taille, qui a l'air plutôt effrayant. Faut savoir que dans le monde des esprits, il peut nous voir, il nous entend, comme dans le monde des humains, sauf que dans le monde des humains, il faut savoir qu'il ne peut juste que nous entendre et nous voit pas. Par contre, son avantage, c'est qu'il entend vraiment très 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 bien. Donc quand elle se cache, elle est obligée de mettre sa main devant sa bouche pour tout simplement pas se faire entendre par pas que son ennemi l'entende. Ça, je trouve, c'est vraiment bien fait. Comme vous avez pu le voir, quand il était au niveau des casiers ou des miroirs, je vois pas très bien ce que c'est. Je crois que c'est un miroir. Ouais, c'est un miroir. Donc, quand il est au niveau des miroirs, elle a pu rapidement passer de l'autre monde. Et ça, ça nécessite vraiment une grosse puissance au niveau de la console, puisqu'il n'y a pas de temps de chargement, c'est instantané. Je trouve vraiment ça, c'est incroyable qu'on puisse le faire sur console. Faut pas oublier que le gameplay est fait sur console, la team sur Series. Après, je trouve que le passage est trop bien fait. Les graphismes sont vraiment, vraiment très cool. Ils mettent vraiment d'ambiance. Les musiques de fond se mettent d'ambiance. Moi, personnellement, ce jeu, du peu que je vois, j'adhère. La team, j'espère que le gameplay vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, moi, j'approuve. Franchement, moi, j'aime énormément. Malheureusement, je ne pourrais pas y jouer. Vous savez déjà. Donc, s'il y en a qui comptent y jouer, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux, me donner votre expérience pour que je puisse me faire ma propre idée du jeu. Ça a l'air vraiment énorme. Ça a l'air vraiment bien. Mais vraiment dans l'ambiance, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de passer du côté de la next-gen, vraiment dans une nouvelle ère au niveau des consoles. C'est vraiment plaisant à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à la team. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait plaisir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao. C'était Mr. Fighter.